Mes bien chers frères, tout le monde te cherche. Simon et ses disciples de Jésus viennent à sa rencontre. Lui qui a tellement fait de miracles, il guérit toutes sortes de maladies les gens qui en sont atteints. Il expulse beaucoup de démons. Forcément, toute une foule autour de lui gravite. Et tout le monde est absolument stupéfait de la puissance qui se dégage de lui. Mais voilà que lui s'est éclipsé quelques instants et il est parti dans le désert, dans un endroit désert, pour prier. Mais tout le monde le cherche parce qu'il y a encore du boulot, il y a encore des malades à guérir. Alors viens, on a besoin de toi. Mais Jésus va leur dire, non, stop, je ne suis pas venu pour cela, seulement guérir, je suis venu pour changer les cœurs. Mais justement, il va dire une chose, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile. Autrement dit, la proclamation de l'évangile, ce n'est pas seulement des paroles. Ça passe aussi par des gestes, par des actions, notamment de guérison des malades. Effectivement, Jésus, en guérissant les malades, révèle son identité afin d'amener tous ces gens à la foi. Alors, tant qu'il y a des miracles, tout va bien. Tout le monde le trouve extraordinaire. Tout le monde se dit, c'est lui le Messie, c'est forcément lui. Qui peut faire de telles choses sinon Dieu seul ? Or, mes chers amis, quand on passera à l'étape suivante, ou du moins elle sera plus marquée que cette étape où il y a des guérisons en masse, où Jésus voudra entrer en profondeur dans l'épaisseur du mystère, là ça va changer. Là ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là que l'on verra qu'il y a une grande différence entre le merveilleux qui nous conduit à louer, à porter au pinacle quelqu'un et le mystère de la foi. Jésus n'est pas une idole. Jésus est Dieu. Jésus vient sauver les âmes à travers la guérison des corps. Il vient atteindre la profondeur de notre âme. Mais pour cela, pour que son action puisse être efficace, il faut que les cœurs s'ouvrent devant lui. Alors certains malades auront la foi. Lorsque Jésus leur dira à ceux qui viennent à lui, « Que demandes-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Seigneur, que je vois, que je sois guéri, etc. »« Crois-tu en moi ?»« Oui, Seigneur, je crois. » »« Eh bien, que tout se passe selon ta foi. » Et la guérison est opérée. Car la foi est là. Mais comme le diront les évangélistes, parfois la foi est absente, notamment dans son pays d'origine. Alors il partira plus loin, car il ne pouvait rien faire dans cette contrée. Alors j'en reviens à l'élément central. Croire en quelqu'un parce qu'il fait beaucoup de choses extraordinaires n'est pas la foi. La preuve en est, dans l'évangile de Saint Jean, nous avons un passage qui est vraiment symptomatique de la situation. Lorsque Jésus multiplie les 5 pains et 2 poissons, il nourrit une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, et à la fin on ramasse 12 corbeilles pleines de pain. Là, tout le monde est extasié par ce qui se passe. Et ils se disent, c'est vraiment lui le Messie. Et lui aussi, va pendant quelque temps, il va s'éclipser pour aller prier. Et on va le chercher. Mais où es-tu? On te cherche. Vous me cherchez pourquoi? Parce que j'ai multiplié du pain. Mais moi, je suis le pain de vie. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et alors là, mes chers amis, là, ça changera radicalement. Tous ceux qui disaient, c'est lui le Messie, nous croyons en lui. Là, on le prendra pour un fou.
Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Autrement dit, ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas en la personne que Jésus est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu fait homme. Ils croient parce qu'ils voient des choses extraordinaires. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est je crois que toi, Jésus, tu es le Messie, certes, plus que cela, tu es le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu incarné, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et par conséquent, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, même si je n'y comprends rien, je crois. Parce que je crois, non pas parce que tu fais des choses extraordinaires, mais je crois parce que tu es Dieu. Ça, c'est la foi. Et ça va remuer beaucoup les disciples. Beaucoup seront remués en profondeur. Beaucoup partiront. Mais un noyau dur restera, même si la foi est chancelante. À commencer par Pierre et à la croix, qui aura-t-il à part Saint Jean, le seul apôtre rescapé, et les quelques femmes, la Vierge Marie, et celles qui servent Jésus. Alors permettez-moi de faire une petite boutade. Mes chers amis, voyez, la belle-mère de Pierre est malade. Aussitôt, la fièvre la quitta une fois que Jésus intervient, et elle les servait. Vous voyez, Jésus se fait servir par les dames. Les féministes trouveraient seulement à redire, mais bon. Mais voyez, mes chers amis, j'en reviens à l'élément central, la foi en la personne du Verbe de Dieu. Elle est centrale, mes chers amis, elle est centrale. Parce que sinon, s'il ne connaît que le merveilleux que je vois de l'action du Christ qui me conduit à dire « j'ai foi en toi », tout cela est fragile, parce qu'elle repose sur la vision de fait. Elle ne repose pas sur cette relation d'intimité que j'entretiens avec le Fils de Dieu Jésus, que je crois, même s'il n'agit pas, même si son action, ou du moins son action, est invisible à mes yeux, je crois que tu es là, tu es Dieu, que rien ne peut me conduire à en douter, parce que tu es Dieu. Il ira même poser la question à Marthe. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Oui, Seigneur, je le crois. Et il va opérer le miracle du retour à la vie de Lazare. C'est là que pour nous, c'est une importance cruciale, parce que dans notre vie de chaque jour, nous ne voyons pas Jésus. Nous ne voyons probablement pas les actions extraordinaires que Jésus fait. Par contre, lorsque les épreuves traversent notre vie, lorsque la maladie gagne notre corps ou ceux qui sont proches de nous, lorsque nous traversons de dures épreuves, notre foi peut être bousculée. Et nous pouvons nous dire, mais Seigneur, où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi n'agis-tu pas? Je te prie tous les jours et je ne vois rien arriver. Et pourtant, ce que je demande est légitime. Il n'y a rien d'extraordinaire de te demander ce que je te demande. Et pourquoi n'agis-tu pas? Pourquoi le monde dans lequel je vis est un monde qui semble t'oublier de plus en plus? Jésus nous dira et nous dit, mes chers amis, croyez. Croyez parce que la foi vous conduira à accueillir le bonheur éternel qui ne se laisse pas voir avec les yeux de chair, mais qui se laisse voir avec les yeux du cœur. Ce n'est pas parce que je ne vois pas l'action de Dieu qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le résultat des prières que j'adresse à Dieu en permanence, presque jour et nuit, qu'il n'agit pas. Non, toute prière est exaucée, mais pas forcément dans le sens que l'on veut.
même si Dieu nous met à l'épreuve, non pas parce qu'il veut tester notre foi, mais parce qu'il veut nous aider à approfondir. Je ne dois pas croire parce que je vois des choses, parce que je vois le résultat de mes prières. Je dois croire parce qu'il est Dieu. Et qu'en tant que Dieu, je ne peux pas mettre sa parole en doute. C'est le socle sur lequel repose notre vie chrétienne. Comme la Vierge Marie, au pied de la croix, pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas la victoire du salut. Au contraire, je vois la déchéance, l'écrasement de mon Fils. Oui, mes chers amis, la foi, c'est un acte de confiance et d'abondance en Dieu. Si Jésus a pris le soin en apparaissant à la petite Faustine, la petite Polonaise dans les années 30, pour lui révéler ce fameux tableau de la miséricordieuse que vous avez dans la nef sous vos yeux, en demandant de faire inscrire sous ce tableau « Jésus, j'ai confiance en toi », en montrant son cœur transpercé d'où jaillit l'eau et le sang. C'est là qu'est le miracle de la miséricorde. Ou plus profondément, le mystère de la miséricorde divine. Voyez, mes chers amis, c'est ça la foi. Alors certes, notre volonté n'est pas toujours exaucée. Mais Dieu n'a pas promis d'exaucer notre volonté. Il a promis d'exaucer sa volonté, qui est toujours meilleure que la nôtre. Alors évidemment, nous sommes invités, sans cesse, jour après jour, malgré les épreuves qui guettent nos vies, à toujours avoir cette confiance inébranlable en lui. Sûr qu'il nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes, et que par conséquent, il est bien plus attaché à notre propre salut que nous-mêmes nous le sommes. Alors comment pourrait-il, lui qui est tout-puissant, ne pas chercher toute occasion dans notre vie pour venir imprégner nos cœurs, nos âmes de sa présence? Mais bien sûr, il ne pourra le faire que s'il trouve la brèche qui s'ouvre devant lui. Voilà pourquoi nous sommes invités à la confiance. Et plus nous ferons confiance gratuitement, en quelque sorte, sans avoir un retour, plus notre foi s'approfondira, plus Dieu pourra faire son œuvre en nous, et plus nous pourrons grandir dans le bonheur d'être aimés et d'aimer de l'amour de Dieu, comme la Vierge Marie en a fait l'expérience à un niveau inimitable. Bien sûr, parce qu'elle était pleine de grâce, mais aussi parce que sa volonté n'était pas autre que celle de Dieu. Alors demandons-lui de nous aider à toujours chercher Dieu dans nos vies, en menant une vie fondée sur le socle de la foi, de l'espérance et de la charité. Ces trois vertus théologales qui viennent de Dieu, qui nous ont été infusées le jour de notre baptême dans notre âme, pour que Dieu fasse son œuvre en nous et que nous puissions dire, comme saint Paul dans l'Épître aux Galates, qui résume de manière parfaite ce qu'est la vie chrétienne, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.